Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de ma chaîne YouTube, mais c'est comme ça, mais c'est pas déjà fait. Et donc oui, comme je vous dis, on va parler aujourd'hui de ma chaîne YouTube. Donc on a dépassé le million. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi je vous parle. Donc voilà, excusez-moi un petit peu, c'est des bruits de fond. Et donc comme je vous dis, on va parler de ma chaîne YouTube et on a dépassé le million. Quand je parle de million, je parle pas du tout du nombre d'abonnés, hein, parce que le nombre d'abonnés, on a plus de 5000. Je parle du nombre de vues totales sur la chaîne. On a dépassé le million. Ça fait vraiment très très plaisir quand même de dépasser 1 million de vues. Si je me trompe pas, en 5-6 mois, on a dépassé plus d'un million de vues. On avait plus d'un million de vues. J'avais déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà commencé YouTube, si je me trompe pas, en 2016. En 2016, oui. En septembre 2016, j'avais commencé ma chaîne YouTube. J'avais fait des vidéos un peu gaming de tout genre. Et j'avais. Enfin, comme MFC vient de là, hein, parce qu'il a fait Minecraft, FIFA et Call of Duty. Donc voilà, c'est les 3 jeux que j'ai joué à l'époque. Voilà, c'était un petit peu ce style-là, la chaîne. J'avais fait 250 abonnés et pour l'histoire, en un an, je crois, j'avais fait 20 000 vues. Donc voilà, ça marchait pas vraiment, mais moi, je faisais vraiment YouTube pour le plaisir, même maintenant aussi, hein, pour le plaisir. Et moi, je trouvais quand même que ça me plaisait bien. J'avais arrêté après, en 2007, pendant un an, j'avais plus fait aucune vidéo. J'avais plus fait de vidéo jusqu'en 2018. Enfin, ouais, j'ai pas repris en 2018, j'ai commencé en 2017, repris en 2017 en août. Juste comme ça, enfin ouais, pendant les 2 mois de grandes vacances là, j'avais repris et ça a super bien marché. Maintenant on a plus de 5000 abonnés, on a fait 1 million de vues, ça ferait vraiment très plaisir tout ce qu'on fait. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai même eu des demandes de partenariat de ce genre là pour présenter des maillots de foot, tout ça. J'ai carrément refusé parce que voilà, pour l'instant je suis pas du tout sur YouTube pour l'argent. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, j'ai 15 ans. Ce que je compte faire, c'est continuer YouTube tout simplement et puis plus tard peut-être essayer de faire de YouTube mon métier peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout un objectif. Je compte surtout m'amuser sur YouTube, continuer à faire des vidéos, vous informer sur les infos foot, sur le mercato et puis tous les infos foot. Voilà, pour l'instant c'est vraiment que pour le plaisir que je fais YouTube, mais plus tard vraiment j'aurai peut-être de plus gros objectifs. Donc quand je dis plus tard, c'est vraiment dans 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi j'aurai plus, parce que j'aurai 18 ans, donc dans 2 ans et demi il y aura de plus en plus de vidéos sérieuses, on va dire. Non mais vraiment pour l'instant il y a aucun, enfin c'est vraiment que pour plaisir en ce moment. Pour ceux qui veulent savoir, je m'utilise mes vidéos, mais vraiment je m'utilise mes vidéos, mais je prends pas l'argent, c'est un truc de fou. Et je crois qu'il y a que moi qui fais ça sur YouTube, mais vraiment, hein, je peux vous le dire, j'ai des potes qui peuvent vous garantir, enfin qui peuvent vous l'affirmer, je m'utilise mes vidéos, mais je ne prends pas l'argent. Je peux, enfin je vais pas le montrer parce que c'est quand même personnel, mais j'ai plusieurs mails de Google AdSense comme quoi on dit venez récupérer votre argent, je sais pas quoi. Mais je prends jamais mon argent, je m'utilise juste pour voir les chiffres que je fais, parce que j'aime beaucoup regarder les chiffres, tout ça. Mais voilà, sinon je ne gagne pas d'argent, et tout ça c'est tout simplement pour le plaisir. Alors on va parler un petit peu de la chaîne YouTube maintenant, de mon avenir, des vidéos que je pourrais faire. Alors pour l'instant, Actu Mercato c'est un petit peu compliqué, parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup d'infos sur Actu Mercato. Donc voilà, il y aura des épisodes qui vont sortir, mais très peu, enfin... J'en fais vraiment que des infos qui m'intéressent. C'est surtout, c'est beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'infos fausses qui viennent en ce moment. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des vidéos, parce que c'est la période vraiment où on invente des rumeurs, tout ça. Mais pas toujours, hein, mais vraiment souvent. Et donc c'est pour ça que je ferai pas toujours des vidéos à Tube Mercato. Donc voilà. Après, pour ma série MFC TV, ça va largement continuer, surtout à la Coupe du Monde. D'abord, je vais vous dire, donc les matchs tous les week-ends, tout ça, les matchs surtout du Barça et du Real Madrid, c'est la priorité. Après, on a les matchs de Ligue 1, des gros matchs de Ligue 1, ils sont aussi en priorité. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, match Première Ligue, il n'y aura jamais peut-être sur ma chaîne, parce qu'en fait, j'ai pas les chaînes, enfin, je ne vais pas regarder les matchs Première Ligue, en tout cas pas en direct, et donc c'est ça le problème. Donc si je ne regarde pas un match, je ne ferai pas de vidéo résumé du match, donc voilà. Aussi les vidéos comme d'habitude, des vidéos improvisées à propos des infos, blessures de Dembélé, des trucs comme ça, plein de vidéos de ce genre-là, je continuerai toujours. C'est des vidéos un peu à faux foot sur le moment, voilà, je fais des vidéos. Et puis voilà, et puis il se peut qu'il y ait une nouvelle série qui vienne sur la chaîne. Pour l'instant, je sais pas du tout quoi, mais c'est possible, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de vidéos. Alors d'habitude, j'ai beaucoup de vidéos. Alors en ce moment, c'est pas terrible. J'aime pas trop parler de moi, j'ai un petit peu parlé de moi, pas de Warthog, mais enfin si, voilà, justement de Warthog, j'allais dire mon prénom, mais voilà, de Warthog on va dire. Voilà, et puis donc c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos de ce genre là mais là c'est quand même une vidéo pour moi qui a été importante, de parler du million de vues comme YouTube, parce que quand même quelque chose de très important pour moi. Et puis voilà, donc sinon j'ai plus rien d'autre à vous dire. J'espère que vous aimez cette vidéo là et puis sinon moi je vous dis peace. You don't get